suis pas très à l'aise d'être dehors en pleine nuit toute seule comme ça. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la lune. Mais avant ça je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je fais des vidéos bonne humeur, spiritualité et toutes ces choses un peu fun qui font du bien. Donc dans cette vidéo on va parler de la lune et plus particulièrement de la pleine lune parce que la pleine lune c'est bientôt. Et je vous avais déjà parlé de la nouvelle lune dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien. Et je vous avais parlé justement du petit rituel que je fais ou qu'on peut faire justement à la nouvelle lune. Et j'avais envie justement de vous parler aussi de la pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est tout aussi important que la nouvelle lune. En tout cas du point de vue spirituel, de pouvoir se connecter à l'univers. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs éléments de choses que vous pouvez faire chez vous pour vous connecter à l'univers en ce temps de pleine lune. Donc c'est des pistes que vous pouvez explorer, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je vous donne un peu ce que je fais de mon côté et des choses que j'ai expérimentées qui ne sont pas forcément des choses que je fais toujours parce qu'on évolue et puis des fois on n'a pas forcément envie de faire tout le temps la même chose. Mais du coup ce sera quand même des idées que je vais vous donner pour vous aider à trouver un peu ce qui vous correspond. Donc tout d'abord c'est important je pense quand c'est la pleine lune de prendre du temps pour soi. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah c'est vrai que la pleine lune, c'est pas comme si ça tombait tous les samedis ou tous les dimanches ou un jour on a congé. La pleine lune, ça peut tomber un mardi, un mercredi, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. C'est important de trouver du temps pour soi à cette période-là. Il faut savoir aussi que le pouvoir de la pleine lune, bah, c'est pas non plus le jour même, enfin ça s'étend sur plusieurs jours, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, donc si vous pouvez faire votre petit rituel de la pleine lune autour de la pleine lune, ça va aussi. Donc prendre du temps pour soi, ça dépend un peu de ce que vous aimez faire, mais ça peut être justement trouver le temps pour justement décompresser, essayer de rester au calme, déconnecter un peu de son téléphone ou de son écran. Vous pouvez allumer une bougie ou de l'encens pour se mettre un peu dans une ambiance un peu plus calme, un peu plus posée, plus sereine, plus zen aussi. Moi ce que j'aime bien faire c'est écrire mes gratitudes, donc c'est-à-dire que je vais prendre un carnet et je vais écrire les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Le fait d'être reconnaissant envers l'univers et envers tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on reçoit, ça permet bah déjà de montrer qu'on est content de notre vie et puis ça permet aussi de montrer un peu les bons côtés de ce qu'on a dans la vie, les bons côtés de tout ça. Et j'ai fait une vidéo un peu plus complète donc je vous mettrai aussi le lien pour aller voir un peu à quoi sert la gratitude. Mais je pense que la pleine lune c'est un bon moment pour faire ce genre d'exercice si vous le faites pas déjà quotidiennement en fait. C'est un bon rendez-vous aussi, justement un petit rendez-vous avec soi-même ou avec soi-même et l'univers. Profiter de ce temps de pleine lune pour avoir une espèce de discussion ou de moment de remerciement en fait. Vous pouvez aussi prendre du temps pour méditer. Donc la méditation c'est pas très compliqué au final. Ça peut paraître assez challenging mais au final si on le fait bien et qu'on se met pas trop la pression, on peut réussir à méditer. Donc pour ça vous pouvez utiliser des méditations guidées que vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez méditation guidée, ou alors vous pouvez le faire vous-même sans accompagnement, avec de la musique ou sans musique. Après c'est vrai que quand on est débutant c'est peut-être mieux de commencer avec une méditation guidée. Moi c'est ce que je fais parce que je suis pas une experte en méditation et ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Faudrait que je m'y remette un peu, mais c'est vrai que le fait d'être dans cet état un peu de méditation, ça permet de se centrer, d'être plus calme, plus posé, et franchement on se sent beaucoup mieux après. Et c'est pas du tout une perte de temps en fait, on se sent vraiment mieux après, donc je peux que vous encourager dans ce petit moment de rituel pour vous, de prendre le temps de faire une méditation. Et encore une fois, ça peut durer un quart d'heure, ça peut durer une heure, ça dépend, c'est vraiment le temps que vous avez. Et aussi, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ça s'appelle la méditation, c'est walking meditation, donc c'est la méditation par la marche. C'est juste le fait d'aller marcher sans écouter forcément de la musique,
mais juste d'être soi-même un peu dans un état où on réfléchit sans réfléchir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose, voilà, d'aller se promener pour se vider l'esprit. Peut-être que vous le faites déjà sans vous en rendre compte, mais c'est un bon moyen aussi de méditer si vous êtes quelqu'un qui avait de la peine à rester posé et de ne pas bouger. Donc ça, c'est un truc qui peut aussi vous intéresser. Faut pas hésiter à aller rechercher un peu plus d'infos là-dessus. Il y a une chose que moi je fais en général justement pendant la pleine lune, c'est le fait d'écrire une prière à l'univers. Donc on prend un petit bout de papier. Il faut savoir que par rapport à tout ce qui est loi de l'attraction, on dit que la nouvelle lune, c'est le moment où on va poser nos intentions et nos manifestations pour le mois à venir. Et la pleine lune, c'est un peu le moment où on va lâcher prise sur tout ça. Et puis on va justement s'adresser à l'univers et dire voici toutes les choses que je laisse s'en aller. Par exemple, si votre manifestation c'est de gagner de l'argent, j'en sais rien. Peut-être que vous savez que vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez pas légitime forcément. Alors du coup, le fait de faire cette petite prière à l'univers, en fait, c'est de dire je lâche prise par rapport à mon sentiment d'illégitimité. Et du coup, après, quand on fait ce petit papier, après, bah, l'idée, c'est de le brûler, en fait. C'est bien de le faire au-dessus d'un évier ou d'un petit bol. Enfin, faut pas le faire n'importe où dans sa chambre ou je sais pas quoi, hein, parce que le feu, ça prend vite feu. Faites gaffe. Mais oui, alors vraiment, prendre un petit papier, écrire ces petites choses, et ensuite le brûler, le voir se consumer et tout. Puis ça, c'est un peu ce côté très symbolique, mais on peut s'imaginer que toutes ces choses, on les brûle et on les laisse partir loin. Elles n'existent plus, elles font plus partie de nous. Puis après, bah, on laisse l'univers s'en occuper en fait. Au départ, je faisais vraiment une liste de choses que je voulais dont je voulais me délester. Mais maintenant, je fais plus une petite prière vraiment, un espèce de petit message à l'univers en lui disant merci pour ça, ça c'est ce que je te confie, tu peux les prendre, moi j'en ai plus besoin. Enfin, c'est ce genre de choses. Puis après, je les brûle. Puis je trouve que c'est beaucoup plus naturel, en tout cas pour moi, de le faire de cette façon-là. Après, vous pouvez totalement le faire autrement, vous pouvez aussi le faire totalement juste par oral en fait, ou juste dans la pensée. Mais je trouve que le faire au niveau papier et de voir le papier brûler, il y a quelque chose de magique et il y a quelque chose de concret en fait. Donc c'est quelque chose que je peux que vous conseiller d'essayer. À la pleine lune, c'est aussi l'occasion de recharger ses cristaux. Donc, je vous parle souvent de lithothérapie sur cette chaîne. Et une des questions que je rencontre le plus, c'est comment recharger ses cristaux, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut le faire. Parce qu'il y a des cristaux qu'on peut mettre dans l'eau, et il y a des cristaux qu'on peut absolument pas mettre dans l'eau, donc il faut faire attention. Mais une des façons les plus efficaces, en fait, pour recharger ses cristaux, c'est de les exposer au bord d'une fenêtre et les laisser se faire recharger par la lune, en fait, durant la nuit de la pleine lune. Donc avant de les poser vraiment près d'une fenêtre où il y aura des rayons de la lune durant la nuit, ce que j'aime faire, c'est prendre un plateau et sur ce plateau, je vais poser du sel. Ensuite, par-dessus ce sel, je mets des feuilles de papier. Et par-dessus ces feuilles de papier, je vais poser mes cristaux. Donc en fait, le sel, il va absorber toutes les énergies des cristaux. Mais comme il y a certains cristaux qu'il ne faut pas mettre en contact avec le sel, bah du coup le papier ça permet en fait de protéger les cristaux du sel. Du coup il y a quand même cette espèce d'absorption d'énergie, une espèce de purification et tout ça, de nettoyage, sans non plus les abîmer. Donc plateau, sel, papier, cristaux, on laisse ça pendant la journée. Ensuite le soir on les enlève du plateau, on les dispose près d'une fenêtre. On enlève les feuilles du plateau, on les jette au papier, recyclage. Et le sel, on le jette à la poubelle et on fait attention de ne pas trop le toucher parce que c'est possible qu'il y ait justement toutes ces mauvaises énergies qui ont été absorbées depuis les cristaux. Et comme la pleine lune, justement, elle est connue pour donner beaucoup d'énergie positive, justement, donc on le voit dans la recherche de cristaux, mais on peut aussi se recharger soi-même. Donc ça, vous pouvez aller dehors la nuit de la pleine lune. Sur votre balcon, sur votre terrasse, votre jardin, dehors. Après, moi, j'ai pas forcément
Je suis pas très à l'aise d'être dehors en pleine nuit toute seule comme ça. Mais si vous êtes à l'aise de le faire, bah faites-le. Allez vous mettre vraiment ouais, en tant que réceptacle un peu de lumière lunaire comme ça. Et puis absorber un peu toutes ces énergies. Et imaginez que vous êtes en train de recharger vos batteries en fait. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est faire de l'eau de lune. Donc là aussi, le principe il est le même, c'est le fait de charger de l'eau avec les rayons de la lune. Donc vous pouvez utiliser une bouteille en verre que vous allez remplir avec de l'eau du robinet. Et ensuite vous allez la disposer à la lumière de la lune. Et pendant la nuit en fait la lune va charger cette eau. Après moi c'est pas quelque chose que je fais, mais je sais que ça se fait beaucoup. Et après l'eau on peut l'utiliser justement suivant ce qu'on fait par rapport à sa spiritualité. On peut l'utiliser pour manifester. On peut l'utiliser dans sa pratique plutôt de sorcellerie, on peut aussi l'utiliser dans un bain, enfin on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Et je pense que c'est une façon facile et peu coûteuse en fait d'utiliser la magie de la lune, donc pourquoi ne pas essayer? Et finalement, vous pouvez prendre un bain, parce que je sais pas si vous aussi, mais je trouve que la lune et l'eau, c'est des choses qui sont extrêmement liées. Donc on sait très bien que la lune elle a une influence sur les marées et donc probablement aussi bah, en nous parce que nous on est fait de je sais pas quoi 70 80% d'eau 70% d'eau enfin bref on est fait de beaucoup d'eau et du coup c'est clair que la lune a un impact là-dessus aussi et donc j'ai l'impression que quand on prend un bain en ce jour de pleine lune c'est un peu une espèce de nouvelle connexion à toutes ces énergies-là en fait. Après bien sûr on peut prendre un bain et puis on s'en fiche, mais on peut justement prendre le temps de prendre un bain et de le faire en fait en pleine conscience et de le faire avec une intention derrière. Bon, la vidéo elle a coupé inopinément. Donc ce que j'essayais de vous dire c'est que vous pouvez prendre un bain par exemple quand c'est la pleine lune parce qu'il y a l'élément de l'eau qui fait qu'on est... Il me semble beaucoup plus proche de la lune à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment ce lien entre l'eau et la lune. Donc, je vous invite justement à prendre un bain quand c'est la pleine lune. Puis ça peut justement être l'occasion d'avoir un petit rituel rien que pour vous, un moment tranquille avec un bain, des bougies, de la musique, un petit moment comme ça, tout bien agréable. Et justement, si vous avez utilisé la technique de l'eau de lune, vous pouvez aussi l'utiliser pour la mettre dans votre bain en fait. Et puis, bah, soyez un peu créatifs, ayez de l'imagination. Et bah, on va s'arrêter là parce que de toute façon, j'arrivais à la fin de ce que j'avais à vous dire. Donc, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez une bonne pleine lune parce que c'est toujours agréable d'avoir ce petit moment pour soi. Profitez bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire pour la pleine lune. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Allez, merci, à bientôt!